Oui, on va faire des pizzas de la Coupe du Monde. On va essayer de choisir en fait les matchs très intéressants. Par exemple, la France, le Maroc, la Tunisie, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne. Et sur ces équipes-là, on va faire une pizza qui représente ce pays. Par exemple, le Maroc, on va faire une pizza avec poulet citron confit et merguez. Donc voilà, et tout, chaque pays, on va essayer d'adapter un petit peu sa gastronomie à à une pizza. Celle-là ? Alors goûtons celle-ci. J'ai jamais goûté. La goûte ? Moi, celle qui me tente, c'est celle-là. Je retourne pour elle. Alors ? Moi, je vais faire un picot ou pas ? Ouais. Citron ? Saucisse, poivron, ça c'est l'Italie. Ne je sais pas. Je dirais une connerie. C'est pas italien. Ah ben bon, il y a du fromage, de la tomate, de l'oignon. Juste pour les Italiens. Qu'est-ce qu'on peut mettre ça? Tu vois, c'est pas d'Italie ça. Non. De toute façon, elle est pas là. C'est la française ça. Ça sent l'Italie quand même. Avec le maïs? Ouais. Le Mexique. La française? Un peu d'Espagne. Espagne, Portugal. C'est difficile, hein. Espagne. On va dire le Maroc. Il y a du fromage, je dirais la France. Attends. C'est le Maghreb. C'est pas Algérie, c'est pas Tunisien. Égypte. Italie alors. L'Italie ça passe, c'est français. Sans goûter. Je veux comme la goûter, ça m'a donné envie là. Deux sur trois, ça va? C'est bon. Merci. C'est excellent. Ah oui. Donc vous savez pourquoi tout le monde se réjouit que les Italiens ne sont pas à la Coupe du Monde cet été? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y aura plus d'Italiens pour livrer les pizzas.